Bonjour à toutes et à tous les planteurs-cueilleurs, ici Kakitom. Aujourd'hui, nous allons faire la vidéo de quoi faire au mois d'octobre. Donc bien sûr, dans ces vidéos, c'est des idées, c'est surtout ce que je fais ici. Il n'y a rien d'obligatoire, c'est généralement ici ce que je fais. Ça tourne beaucoup autour des fruitiers, très peu autour du potager. Et je vous présente Uli, une petite chatte. De 6 mois peut-être. Et on va voir les fruits qu'on peut récolter en octobre, ce qu'on peut en faire. Bien sûr, à chaque fois dans ces vidéos-là, je vais vous montrer ce qu'on peut bouturer au mois d'octobre et également ce qu'on a bouturé les mois derniers et ce que ça a donné. Pour vous donner un retour, pour vous montrer si ça marche, ça marche pas, parce que dans la nature, il y a beaucoup de possibilités. Parfois je dis on peut multiplier telle chose au mois d'octobre, mais on peut aussi parfois très bien la multiplier de la même façon au mois de décembre ou parfois l'été. Et comme ça, ça permet de tester différentes choses et de vous donner les retours surtout. On verra également quels sont les soins qu'on peut apporter aux arbres et à quoi il faut faire attention en octobre. C'est parti! J'aime bien commencer cette vidéo par vous montrer ce qu'on peut récolter en octobre. Donc bien sûr, il y a encore des pommes, des poires classiques, mais en septembre, octobre, ça dépend d'où vous êtes, ça dépend des variétés. Il y a les coins. Il y a les coins qu'on peut récolter. Et en fait, j'ai l'impression qu'il faut quand même assez, faut pas trop tarder. Moi, j'avais l'impression que parfois, c'était pas assez mûr ou qu'il fallait les laisser bien mûrir. Mais les coins, j'ai l'impression qu'une fois qu'ils sont mûrs, ils pourrissent, ou alors c'est une maladie, je sais pas si vous savez, dites-moi dans les commentaires. Mais en tout cas, j'ai l'impression... Ouais, bon, lui, il se décroche bien. J'ai l'impression qu'il ne faut pas hésiter à les récolter assez tôt. Et ce que je voulais vous montrer, en fait, sur celui-là, c'est surtout que c'est une bouture qui a 3 ans. Et donc, c'était une assez grande bouture, ou alors c'était peut-être un rejet. Je crois que c'était un rejet à la base, il y a peut-être déjà des racines. Mais je l'avais donc déplacé, et je l'avais mis ici, et là, au bout de 3 ans, vous voyez, bon, là, il croule sous les fruits. Donc là, on va récolter les coins les plus mûrs. Et puis comme ça, après, on va pouvoir en faire soit de la gelée de coin, de la pâte de coin. Dites-nous vos meilleures recettes dans les commentaires, bien sûr. Inspirez-nous également. Alors, je crois que c'est au Portugal notamment qu'ils ont l'habitude de manger les coins cuits dans des plats en sauce. Il y en a un qui tombe en direct, incroyable. Donc là, c'est la variété Cognassier de Provence qui est très connue et qui est aussi un porte-greffe des autres cognassiers. Donc si vous en avez un, vous pouvez vous amuser à le bouturer, à faire des marcottes ou à prendre des rejets, à les planter sur votre terrain. Et déjà, ça vous donnera des coins, comme vous avez vu précédemment. Et vous pourrez aussi le greffer avec d'autres variétés, comme la variété Vranja, géant de Vranja, champion. C'est juste les 3 variétés de coins que j'ai et que je connais. Après, il y en a d'autres. Que je n'ai pas et que je ne connais pas. Bon, après, il a un bois assez souple quand même, qui peut prendre beaucoup de poids et qui casse pas tellement en fait. Il plie, mais il casse pas. Peut plier ? Ah, trop drôle ! On va la garder celle-là. Marion qui vous fait des blagues en direct. Abonnez-vous pour celle-là, si ce n'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait, vous pouvez lui mettre un petit commentaire.
En octobre, après que les fruits soient arrivés à maturité et qu'on les ait récoltés ou qu'ils soient tombés, on peut commencer à tailler les arbres fruitiers. En général, on le fait plutôt en hiver parce que c'est là où on a un peu moins de choses à faire et également où on voit mieux la structure de l'arbre puisque les feuilles sont tombées. Mais après, on peut commencer déjà à tailler les arbres. Ça aide à. De ce que j'ai entendu, ça peut aider aussi l'arbre un peu parce que c'est un effort qui fait de faire tomber ses feuilles. Et si on fait la taille quand il a encore des feuilles, quand il a commencé un peu à ce qu'elles tombent et qu'il n'y a plus de fruits, bah, ça peut. Voilà, ça lui préserve peut-être un peu de vitalité. Bon, après, je pense qu'ils ont aussi eu l'habitude de faire un peu tout seul depuis très longtemps. Donc, à chacun son école. Moi, je sais que je vais plutôt attendre que toutes les feuilles tombent. Voilà, ça permet de bien visualiser la structure de l'arbre. Donc, je vous en reparlerai peut-être. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse en hiver. Donc voilà. Donc là, vous voyez ça. Ça va être pour les bandes de fruitiers que je vais faire dans l'optique de produire des fruitiers. Après, ce que j'ai déjà fait ailleurs, c'est de pailler quelques endroits où je vais accueillir des fruitiers. Alors, je n'ai pas encore pu pailler tous les endroits parce que je ne sais même pas encore vraiment exactement où tout mettre. Voilà, parfois, je fais un peu aussi au feeling ou au dernier moment. Je suis loin d'être irréprochable par rapport à ça, mais en tout cas, dans la mesure du possible, c'est bien d'anticiper et de pailler les endroits où on va implanter des fruitiers. Là, on est sous le tilleul. C'est pour l'instant un endroit qui me sert de micro-pépinière, mais où là, j'ai accueilli aussi des arbres, arbustes, ronces sans épines, variétés de consoude, que je vais implanter là prochainement au jardin. Donc ça, je m'étais fourni à Atmosphère, à la pépinière Atmosphère. Si vous voulez que je vous présente ce qu'il y a là, dites-le-moi dans les commentaires, je pourrais peut-être vous le faire, vous le dire. Et en fait, je vous parle de ça pour vous dire que là, on est en octobre et il y a quelques pépinières qui commencent à ouvrir leurs portes à la vente. Donc là, c'est vraiment maintenant, si vous ne l'avez pas déjà anticipé, c'est maintenant qu'il faut faire des commandes. Donc pour l'instant, vous pourrez planter que ce que vous achetez et qui sera en pot, donc comme ça, qui est en pot, puisque les racines nues, pour l'instant, ça va être trop tôt, ça va être à partir de la Sainte-Catherine en novembre. Mais voilà, rien ne vous empêche de commander, de regarder quelle pépinière vous voulez, quelles sont les variétés que vous voulez, pour vraiment anticiper, parce que les pépinières se font dévaliser très vite, ou en tout cas les variétés les plus intéressantes, ou les fruitiers un peu plus rares et tout, bah, ça se fait dévaliser assez vite, hein, d'expérience. C'est ce que je vois tous les ans. Donc allez-y, commencez à regarder les pépinières. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous montre, que je vous décrive un peu là ce que je fais ici en multiplication d'autres plantes pérennes comestibles. Donc comme à chaque vidéo de que faire mois par mois, je vais vous dire ce qu'on peut multiplier là comme plante, comme arbuste fruitier au mois d'octobre. Et avant ça, on va regarder ce qu'on a multiplié en septembre et même en août, pour voir si ça a fonctionné ou si ça n'a pas encore fonctionné, où est-ce que ça en est. Alors, on va commencer par les réussites, par les baies de goji. Donc là, vous voyez, j'en ai deux pots qui sont là, donc qui sont les baies de goji de variété New Big. Et j'ai l'impression que ça a fait pas mal de végétation et que même si on regarde sous les pots, on voit quelques racines à quelques endroits, alors qu'on a fait ça en août ou septembre, je sais plus, mais en tout cas ça, bon, on va en déterrer pour voir si ça a bien raciné, sachant que j'ai l'impression qu'il y a un très bon taux de réussite, voire 100%. Est-ce que ah alors c'est bizarre là. Ah non, là, il n'y a pas de racines. Est-ce qu'il y a des voisins qui ont des racines?
Ah, ah, quand même, tout de même. Donc là, on voit, là, il y a une racine qui se développe. Donc, je vais lui refaire bien un trou pour... J'aimerais bien en regarder un autre quand même pour voir ce qu'il en est. Alors bien sûr, ne pas reproduire à la maison, puisque si vous faites ça, vous pouvez casser des racines. Mais là, c'est pour vous montrer. Donc là, on a déjà une belle racine. Donc là, le goji, c'est un succès, hein. Donc à bouturer là, août, septembre, et puis même en fait en octobre, c'est un très bon moment aussi pour les bouturer. Je l'ai lu d'une bonne source. Je voulais également vous montrer, donc là, le romarin qu'on avait fait en août, il me semble. Il y avait déjà tout ce que j'ai rempoté dans les petits pots, c'est parce que ça avait déjà raciné. Donc je suis très content, j'ai l'impression qu'il y a des très bons taux de réussite. Vous voyez, là on voit les racines. Alors je l'ai déjà rempoté, mais on voit déjà les racines. Romarin, vraiment, on est sur beaucoup de succès. En revanche, je voulais vous montrer, parce que pour l'instant, je n'ai pas vu de grandes racines sur les éléagnus, mais ça ne m'inquiète pas, puisque j'ai vu que en fait, ça prenait du temps, jusqu'à vraiment plusieurs mois. Alors, je ne sais plus, peut-être plus de 6 mois, voire plus. Mais je voulais vous montrer quand même ce qu'on peut voir au bout. Au bout de la bouture d'éléagnus, on peut voir là, il y a un endroit qui est un petit peu plus blanc. Et en fait, le bout, il s'est séparé un peu, il commence à s'ouvrir. Et j'ai l'impression qu'il y a un bout de radicelle un peu qui est en train de pousser. Donc là, pour l'instant, voilà, je les remets ici. Et sachant que octobre, c'est un très bon mois aussi pour faire des boutures d'éléagnus. Et là, ça va être des boutures. Donc là, ça ne sera pas du semi. Enfin, oui, ce sera entre semi-ligneux, ligneux. Mais vous pouvez y aller. En tout cas, en octobre, c'est un bon mois pour faire ça. Et par contre, bah, soyez patient. Donc en octobre, c'est aussi un bon moment pour multiplier, pour faire des boutures de petits fruits, cassis, groseilles, casseilles, choses comme ça. Je ne l'ai jamais fait. Moi, je l'ai fait plutôt en janvier, février. J'ai vu des très bons taux de réussite. Après, j'imagine que ça peut aussi très bien fonctionner si on le fait maintenant. Si autant de monde le conseille aussi. Si vous voulez multiplier les baies de goji ou les éléagnus, vous pouvez regarder la vidéo de Que faire en septembre. Je vous l'épingle juste au-dessus et je vous la mettrai en fin de vidéo, puisque je ne vais pas le remettre, je vais vous redire la même chose, sinon je vais me répéter. Et si chez vous là, vous multipliez des plantes pérennes comestibles ou d'autres arbustes fruitiers en octobre, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, moi ça me ferait très plaisir de vous lire là-dessus. Et ça aidera aussi le plus grand nombre. Et likez ces commentaires-là pour qu'ils remontent en haut. Et bah, je vous dis à tous une très bonne journée. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Pensez à mettre des j'aime et à faire remonter cette vidéo dans l'algorithme en partageant. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.